Bon, on peut y aller. J'ai enfin réussi à la mettre au lit. Où est Jason? Je crois qu'il finit d'astiquer la limousine. Il vient bien. J'arrive pas à croire que tu vas le faire, ni que moi je te laisse faire. Ce sera une expérience enrichissante. Mais et pourquoi, je me le demande? Mais pour nous deux. On verra si je suis capable de m'occuper d'enfants. Oui, mais ce sont les miens. Avec qui veux-tu que je m'entraîne si ce n'est pas avec les tiens? Ne croyez pas ce qu'il dit, il cherche juste une excuse pour pas aller au bureau. Et me refiler tout le travail. Je préférerais que tu restes. Oh chérie, il s'agit de mon projet. C'est moi qui suis la plus à même de le présenter. Et puis aussi, j'ai toujours eu envie de voir Philadelphie. Tu as tort, c'est très surfait. Écoute, j'ai vu Karen, elle a promis de venir jeter un coup d'œil de temps en temps. Si Karen fait un rapport sur moi, elle va me taxer de négliger ou de martyriser les enfants, peut-être les deux. Valen et Lily May sont juste à côté. Mais enfin, de quoi tu as peur? Je sais plier les vêtements, faire la vaisselle. Enfin, j'ai eu la médaille du mérite chez les scouts, j'ai même passé le diplôme de secouriste. En plus, je te signale que je suis expert en chili. Non, eh bien, ça tombe bien, les garçons adorent le chili. Et tu vois, on est fait pour s'entendre, et moi. Alors, dépêche-toi de partir si tu ne veux pas rater l'avion.